Il y a fait une découverte importante sur les effets des champs électromagnétiques sur les cellules cancéreuses. Il a d'ailleurs consacré un chapitre sur ce sujet dans l'édition 2012 du fameux rapport Bio-Initiative, la plus importante synthèse sur les effets sanitaires de l'électrosmog. Il nous présente aujourd'hui les résultats de ses recherches. Bienvenue et merci, Dr. Héroux. Merci, André. C'est une très belle présentation. Je vais être honnête en partant. En fait, ce qui me dérange, c'est que la science a été beaucoup utilisée dans le passé pour dire aux gens que les effets sur la santé des ondes électromagnétiques étaient impossibles. Et à mon avis, ça a été fait de manière rapide, avec un agenda qui était, à l'avantage de l'industrie pour un déploiement rapide et sans aucune considération sanitaire. Donc, c'était leur attitude. Donc, je parle des études scientifiques et du Code 6 très brièvement. Je montre ici un groupe d'études scientifiques qui sont symbolisées individuellement par des petits points rouges. Et vous pouvez voir sur ce graphique la ligne bleue qui est la limite qui est actuellement reconnue par notre gouvernement comme étant sécuritaire. Mais en réalité, tous les petits points rouges que vous voyez sont des publications scientifiques ou des gens qui voient des effets reliés aux ondes électromagnétiques. Donc, est-ce que tous ces petits points rouges-là et les auteurs peuvent être dans l'erreur? Parce que la logique des gens qui supportent la barre bleue en haut, c'est que si ce n'est pas ionisant, ça ne peut pas avoir d'effet sur la santé, parce qu'il faut casser des molécules. Et la ligne jaune que vous voyez en dessous, c'est ce qui est recommandé par le rapport Bio-Initiative. Donc, si vous regardez l'axe à gauche, c'est un axe logarithmique. Donc, on a 10 fois. Donc, des dizaines de milliers de fois dans l'intensité qui est considérée comme active ou dangereuse par un groupe ou par l'autre. Il y a quelque chose de très surprenant là-dedans. Donc, le Code 6 du gouvernement fédéral, dans le fond, nous dit que toutes ces observations-là sont ou erronées ou, en réalité, ne sont pas significatives. Donc, la supposition, c'est que si une radiation n'est pas ionisante, donc qu'elle ne peut pas casser des molécules, elle est sans conséquence. Et que le seul effet qu'on veut reconnaître, c'est l'effet de votre four micro-ondes. C'est que quand ça chauffe, ça fait mal, et autrement, il n'y a absolument rien. Et plus récemment, l'industrie commence à changer un peu son attitude. Elle dit, il y a peut-être des effets, mais ils sont trop compliqués pour que ça puisse servir à établir une limite plus basse. En réalité, à la limite du Code 6, la ligne bleue en haut est préférée parce qu'elle permet à l'industrie de fonctionner sans considérer les effets sanitaires. Déploiement illimité des applications du sans-fil qui, comme vous le savez, sont très lucratives. Mais le fait que des niveaux si bas de radiation puissent perturber les systèmes biologiques, ça mène physiquement à une conclusion inévitable, c'est qu'on n'a pas besoin de casser des molécules. Il y a en fait des charges qui sont libres à l'intérieur des systèmes biologiques que les ondes électromagnétiques peuvent perturber. Et il y a beaucoup de physiologie supporte ça. Et je ne vais pas vous ménager cet après-midi, je vais vous montrer exactement ce qui en est. Donc, on va d'abord à l'intérieur des cellules, il y a des mitochondries. Les mitochondries, c'est ce qui a permis à la vie d'évoluer de la bactérie à l'humain. Sans elles, la planète serait très peu intéressante. Il n'y aurait pas de carte de crédit, je vous le garantis. Dans un œuf humain, il y a environ 300 000 mitochondries. Dans les cellules du foie, il y a de 1 000 à 2 000 mitochondries par cellule. Donc, ça occupe à peu près 25 % du volume des cellules. Donc, c'est un organe absolument critique. Dans le muscle cardiaque, il y a environ 40 % de l'espace qui est occupé par les mitochondries.
Donc, en réalité, sans le savoir, vous êtes un gros paquet de mitochondries. Les mitochondries produisent 80 % de l'énergie qui est requise par les cellules. Donc, aux mitochondries, ça a l'air, au microscope, une mitochondrie, ça a l'air de ça. C'est une usine d'un produit chimique qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. Cette substance-là est une substance qui peut contrôler la mort des cellules, le cancer, les maladies chroniques et la fertilité. Les mitochondries, en fait, sont spécialistes dans la consommation d'oxygène et utilisent 5 éléments pour utiliser l'oxygène. En d'autres termes, vous avez 5 doigts sur la main, il y a 5 complexes moléculaires en matière de chaque mitochondrie qui permet d'utiliser l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces 5 éléments-là? Ils transportent des électrons et des protons de manière ultra efficace, comme des conducteurs électriques ou métalliques. Les routes oranges que vous voyez ici, ce sont en réalité des routes d'électrons. Et les canaux verts, ce sont des canaux de protons. Donc, les protons et les électrons se déplacent à l'intérieur de ces usines-là. L'oxygène est en rouge, au centre, et l'oxygène produit l'ATP, que vous voyez un tout petit peu à la droite de la diapositive ici. Donc, vos cellules sont nourries par ce processus-là. Vous avez besoin absolument d'ATP. Et je vous garantis, la cellule s'arrange pour ne jamais en être à court. C'est comme votre ministre des Finances. S'il est à court d'argent, il va faire des coupures ou il va monter les taxes. C'est la survie de la cellule ou de la société qui en dépend. Donc, on a besoin d'ATP. 80 % vient de l'oxygène et ce sont des trafics d'électrons et de protons qui produisent cette énergie-là. Donc, vous voyez les 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, que j'ai illustrés sur cette diapositive-là en chiffres romains. Maintenant, je vous montre une partie de l'élément numéro 1, où il y a un transport d'électrons par l'élément 1. Comment ça marche? La première molécule en haut, ça s'appelle flavine mononucléotide. C'est un dérivé de la vitamine B2. Et les électrons passent d'un point rouge à l'autre. Les points rouges, en fait, sont des atomes de fer qui sont très rapprochés les uns des autres, au point où les électrons sont capables de sauter d'un atome de fer à l'autre atome de fer. Et quand ils sautent par un phénomène qu'on appelle le tunneling, qui permet le transfert d'électrons de manière ultra efficace. C'est un mouvement qu'on appelle saltatoire, qui est permis lorsque les distances qui sont indiquées là en nanomètres, sont inférieures à 1,4 nanomètres. La distance est très importante pour déterminer la probabilité qu'un électron puisse sauter d'un atome de fer à l'autre. Ce trajet agit plus ou moins comme un fil électrique grâce au mécanisme de tunneling. Je vous montre maintenant un détail de l'élément 4 qui transporte des électrons et des protons. Donc, en fait, ce que je vous livre là, c'est ce qu'on connaît scientifiquement de ces courants-là. Et ici, c'est une illustration du fonctionnement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que sur la droite, vous avez en rouge le mouvement des protons et en bleu le mouvement des électrons. Et on connaît le temps que ça prend pour les transitions entre les différents états moléculaires de se réaliser. Donc, il y a des temps de transit qui ont été mesurés sur ces trajets d'électrons et de protons-là. Donc, ce n'est pas un grand mystère du point de vue scientifique, cette question-là. Maintenant, une chose qui est très importante à réaliser, c'est que l'eau joue un facteur déterminant dans les effets biologiques des champs électromagnétiques. Parce que l'eau est très, très spéciale. Donc, en parlant maintenant des protons dans l'eau, c'est en 1806 qu'on a réalisé que les protons pouvaient se déplacer dans l'eau.
Et si vous mesurez le pH de l'eau parfaitement pure, on mesure un courant, qui est le pH 7, parce que les protons se déplacent dans l'eau parfaitement pure. Et comment ils font ça? C'est que les protons passent d'une molécule à l'autre. Et en fait, environ 2000 fois par seconde, une molécule d'eau se décompose et se réassemble. Et c'est pour ça qu'on peut mesurer le pH de l'eau parfaitement pure. Donc, on a spontanément des charges libres qui existent constamment dans l'eau et sur lesquelles le champ électromagnétique peut agir. On n'a pas besoin de casser quoi que ce soit. Il y a des charges qui sont prêtes à recevoir l'influence des champs électromagnétiques. Donc, je vous montre maintenant une petite simulation qui va vous illustrer un peu ce qui se passe dans la réalité. Ah, je m'excuse, il semble que cette petite animation-là... Mais en réalité, ce qu'elle vous montrait, c'est qu'un proton se déplace facilement d'une molécule d'eau à l'autre par un mécanisme saltatoire. Donc, on y retourne. Maintenant, il y a une autre considération qui est importante, c'est que l'ADN, donc le matériel génétique, est stabilisé par le mouvement de protons. En d'autres termes, si vous regardez une molécule d'ADN, vous allez remarquer qu'il s'agit d'une hélice double. Et les deux parties de l'ADN sont tenues ensemble par le fait que des protons sautent d'une molécule d'ADN à l'autre. Si vous observez avec soin, vous allez voir qu'il y a un vide qu'on voit périodiquement entre les différents échelons. Et dans ce vide-là, il y a des protons qui bougent d'une molécule à l'autre. Donc, l'ADN lui-même est stabilisé par ce qu'on appelle un pont hydrogène. Donc, ces protons-là, instables, qui lient ensemble les deux hélices de l'ADN. Donc, ce n'est pas étonnant que certains investigateurs aient dit que les champs électromagnétiques étaient capables de déstabiliser l'ADN. Donc, je vous montre ici une illustration. Les flèches doubles en rouge, ici, montrent l'endroit où les protons oscillent, et on connaît également les petites distances qu'il y a entre les deux moitiés de l'ADN, qui sont des distances beaucoup plus courtes que dans le cas des électrons, parce qu'autrement, les protons qui sont plus lourds ne pourraient pas sauter d'un endroit à l'autre. Et j'illustre ici comment ça se passe à l'intérieur d'une molécule d'eau, H2O. Donc, oxygène, deux protons. En fait, les protons sautent tout simplement d'une molécule d'eau à l'autre. Dans le cas de l'eau, la longueur du pont hydrogène est un peu plus petite, seulement environ 0,2 nanomètres. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement actif. Donc, vous avez des charges libres sans arrêt. Donc, l'argument suivant lequel on doit casser les molécules pour qu'il y ait des charges libres, n'est pas valable. De plus, il existe un nombre d'enzymes. Les enzymes sont des molécules qui sont capables de faciliter les réactions chimiques. Comment ça se fait? Ça se fait par un mécanisme, effectivement, de saut de charge, usuellement des électrons, d'une molécule à l'autre. Ces phénomènes-là sont très, très brefs, mais ils peuvent être influencés par les ondes électromagnétiques. Donc, on a vraiment, je dirais, des substrats qui peuvent être influencés de manière directe par les champs. Je vous parle maintenant de l'endroit favori où l'action des champs électromagnétiques peut se produire. Donc, je parle des protons et du cinquième élément. Dans les systèmes vivants, il y a ce qu'on appelle des pores. Et les pores servent à laisser passer certaines substances, peut-être des électrons, peut-être des protons, peut-être des molécules d'eau, peut-être des ions sodium, peut-être des ions potassium. Et là, je vous montre un exemple d'un système qui laisse passer des molécules d'eau. Donc, vous voyez en rouge les endroits où on note où il peut avoir un passage. Donc, on appelle ça des aquaporines. Ce sont des pores qui sont destinés à laisser pénétrer l'eau spécifiquement à l'intérieur des molécules. Et vous voyez qu'en alignant les molécules d'eau dans une structure cylindrique, on crée un conducteur de protons. Protons down their electrochemical gradient drives a rotor that lies in the membrane.
It is thought that protons flow through an entry open to one side of the membrane and bind to rotor subunits. Only protonated subunits can then rotate into the membrane, away from the static channel assembly. Once the protonated subunits have completed an almost full circle and have returned to the static subunits, an exit channel allows them to leave to the other side of the membrane. Donc, je vous montre ici ce qui est en fait un moteur électrique. Les gens qui ont trouvé cette structure-là ont gagné le prix Nobel et ils ont indiqué qu'il y avait des canaux spécifiques pour le passage des protons. Ces canaux spécifiques-là ont été examinés en très grand détail. Cette enzyme-là, que vous voyez illustrée à cet endroit-ci, est à la base de tous les organismes vivants et utilise un courant de protons pour générer l'énergie cellulaire. C'est un système qui a une optimisation très avancée et qui nous distingue des vies inférieures. Dans le cas de l'ATP synthase, qui est le cinquième élément, l'élément critique de la formation d'ATP, on sait qu'il y a une structure très spécifique qui aligne les molécules d'eau de manière très soignée, comme si c'était de la glace, bien que l'eau soit à 37 degrés centigrades. Et il n'y a aucun doute, on sait par des expériences récentes et très avancées sur la dispersion Compton en utilisant des neutrons, que les protons circulent à l'intérieur d'un canal comme celui-ci, comme s'ils étaient parfaitement libres. Donc, c'est un conducteur de protons. Et lorsqu'on a un conducteur de charge, un champ extérieur peut très facilement agir sur lui. La raison pour laquelle les antennes métalliques sont ultra-sensibles aux champs électromagnétiques, c'est parce qu'elles contiennent des électrons libres. Mais à l'intérieur de vos cellules, vous avez également ce type de conducteur-là qui existe. Dans votre cas, les électrons et les protons se propagent dans des enzymes par tunneling saltatoire avec des temps de transit qui varient de la nanoseconde à la milliseconde. Donc, quand le temps au point d'arrivée est différent, le champ au point d'arrivée est différent du champ au point de départ, la probabilité de tunneling est changée et donc le courant est changé. Le champ statique, le champ terrestre, il n'y a pas d'effet parce que, justement, il ne change pas. Et les organismes biologiques ont évolué totalement à l'intérieur du champ terrestre. Donc, un champ de 50 microtesla, comme celui de la Terre, n'a pas d'effet biologique. Mais toutes les fréquences utilisées par la technologie et ces ondes-là n'existaient jamais avant que nous les déversions dans l'environnement. Ces mécanismes-là sont vulnérables. Donc, la conclusion, c'est que les champs électromagnétiques interagissent avec les tissus vivants et plus spécifiquement avec la phosphorylation oxydative, l'utilisation de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe lorsque la phosphorylation est inhibée par les champs électromagnétiques? Est-ce qu'on meurt? Pas vraiment. Le métabolisme est perturbé et la plupart du temps, l'organisme compense après des secondes ou des mois. En d'autres termes, l'organisme est capable de compenser pour ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on se soumet instantanément à des champs électromagnétiques, on ne ressent rien ou on ne ressent pas grand-chose à moins d'être électrosensible. On ne ressent rien, c'est qu'il y a un gestionnaire, c'est le ministre des Finances, AMPK, qui lui s'arrange lorsqu'il y a une baisse de la quantité d'ATP pour compenser en amenuisant d'autres mécanismes qui sont moins urgents. Donc, le phénomène est masqué par un genre de gestion interne de la cellule. Donc, cette gestion-là est extrêmement raffinée, a été raffinée depuis environ 2 milliards d'années. Quels sont les effets connus des champs électromagnétiques? Il y a des effets physiologiques qui sont détectés dans les laboratoires. On pense qu'il y a des effets sur le cancer, on pense qu'il y a des effets sur le cerveau. Je vais vous parler de l'intelligence et de l'oxygène.
de l'hypersensibilité électromagnétique et des difficultés d'apprentissage chez les enfants. Ça fait au moins depuis 1985 qu'on sait que les champs électromagnétiques inhibent la phosphorylation oxydative, donc l'utilisation de l'oxygène. C'est loin d'être neuf. Et beaucoup d'études observent une augmentation des radicaux libres, ce qui est parfaitement compréhensible lorsqu'on connaît bien l'interaction entre les champs et ces transferts d'électrons et de protons-là. Dans mon laboratoire à Royal Victoria, on a fait des études qui ont montré que les champs magnétiques de très basse fréquence influencent de manière décisive le cinquième élément et la synthèse de l'ATP. Vous savez que l'Agence internationale de recherche sur le cancer nous dit que les champs de basse fréquence ont probablement un impact sur la leucémie chez l'enfant et possiblement sur d'autres cancers. Et on nous dit également, depuis 2011, que les ondes électromagnétiques ont probablement un impact sur le cancer du cerveau. La réaction de l'industrie à ces deux indications-là a été pour le moins modeste. En d'autres termes, on essaie de détourner l'attention ou de l'ignorer. Et en réalité, ces effets-là, à mon avis, je ne veux pas paraître cruel, mais ce sont des effets mineurs par rapport au phénomène grave qui est en train de se produire. Les effets sur le cerveau. Un poisson. Vous avez probablement jamais rencontré un poisson extrêmement intelligent. Les organismes intelligents qui vivent dans l'eau sont en fait des mammifères marins qui respirent de l'air. Les mammifères marins respirent de l'air et peuvent absorber et utiliser de grandes quantités d'oxygène. Ce que j'essaie de dire, c'est que, en réalité, l'intelligence humaine dépend en grande partie d'une grande quantité d'ATP. Le cerveau, c'est 2% du poids de votre corps, mais c'est 20% de l'oxygène. Et vous savez que si on coupe l'arrivée d'oxygène dans votre cerveau, après 3 ou 4 minutes, vous allez être irrémédiablement mort. Par contre, votre foie coupe la circulation, puis pendant des heures, il va encore être récupérable. Donc, physiologiquement, ce n'est pas un problème. Le problème, en fait, de l'utilisation d'oxygène, ça se situe dans certains organes critiques, comme le cerveau et le cœur, par exemple, et le système immunitaire, parce que les cellules du système immunitaire mènent une vie dangereuse qui, en fait, nécessite des apports en énergie substantielle. Votre quotient intellectuel, ça dépend en grande partie de l'ATP et du fait que vous en avez de manière suffisante. Ça fait depuis 2 milliards d'années que ce système d'utilisation d'oxygène-là a été raffiné sur notre planète. Donc, est-ce que c'est sage, en réalité, de modifier ce système-là? Ici, c'est une illustration qui montre que lorsque on prend un téléphone cellulaire et qu'on le met pendant 50 minutes près d'une personne, que l'augmentation de l'utilisation du glucose est substantielle. Donc, à gauche, il y a une flèche qui vous montre que les zones jaunes sont plus grosses par rapport à la droite. Ça veut dire que ce cerveau-là utilise plus de glucose et utilise plus de glucose parce qu'il utilise moins d'oxygène. Donc, c'est une observation directe qui montre que cet effet-là existe. Donc, les tissus qui dépendent de manière critique de l'ATP et les individus qui ont été sensibilisés par d'autres éléments toxiques peuvent être particulièrement sensibles aux ondes électromagnétiques. Donc, les aspects méconnus des ondes électromagnétiques, l'histoire évolutive des mitochondries, la rapidité des changements génétiques, l'incompatibilité minoculaire, la réversibilité alternative technique. Beaucoup de matériel ici. Il y a longtemps, en fait, on est devenu des organismes sophistiqués parce que les mitochondries sont entrées dans une cellule. C'est un phénomène très rare et elles sont restées là. Elles ont
pris racine et se sont multipliés. Et leur rôle, c'est d'augmenter la quantité d'ATP qui est disponible pour faire des organismes sophistiqués et des organismes intelligents. Donc, lorsque on a inclus à l'intérieur de nos cellules les mitochondries, à l'origine avaient leur propre code génétique et nos cellules ancestrales avaient également leur propre code génétique. Mais sur 2 milliards d'années, la plupart des gènes qui étaient contenus dans les mitochondries ont été transférés vers le noyau. Transfert de gènes. 99,75% des gènes ont été accaparés par le noyau cellulaire et il ne reste à l'intérieur des mitochondries que 0,25% de ces gènes-là. Non, il reste un tout petit peu. Donc, cette migration-là est très importante. On connaît les 13 gènes qui sont restés dans les mitochondries. Et ces 13 gènes-là, en fait, sont à l'intérieur de la mitochondrie pour des raisons fonctionnelles. En d'autres termes, je vous ai parlé des 5 doigts de la main qui permettent l'utilisation de l'oxygène. Il y a des éléments à l'intérieur de ça qui sont en jaune, qui sont directement de la mitochondrie, et les éléments qui sont en bleu dépendent directement du noyau cellulaire. Donc, il y a une interaction entre les deux gènes à l'intérieur de ces cellules-là. La raison pour laquelle les gènes sont restés dans la mitochondrie, les 13 qui restent, c'est une barrière de sélection. En d'autres termes, ça veut dire que c'est plus efficace et ça vous permet d'être plus intelligent de garder ces gènes-là à l'endroit où ils sont. Maintenant, si vous prenez ces 5 éléments-là, et que vous interférez dans leur fonctionnement avec des ondes électromagnétiques, que j'ai symbolisées ici comme une oscillation rouge, vous diminuez l'efficacité de la génération d'ATP. À court terme, ça a peu d'impact, mais à long terme, ça va en avoir. C'est que la barrière de sélection, en réalité, est devenue poreuse, et on peut modifier l'équilibre génétique entre les mitochondries qui génèrent l'oxygène et les cellules. Okay. Les choses peuvent changer assez vite. Je vous montre deux poissons qui sont de la même espèce. Le poisson d'en haut, c'est un poisson qu'on trouve dans les rivières en surface. Et le poisson en bas, c'est un poisson qu'on trouve dans les cavernes. Vous notez qu'il manque quelque chose au poisson d'en bas. Bon, c'est parce qu'il a perdu des traits qui sont non nécessaires ou qui ne sont pas supportés par la sélection. Donc, les changements peuvent se produire et récemment, la biologie a été surprise de voir jusqu'à quel point les changements pouvaient être rapides. Donc, je vous parle d'incompatibilité mitonucléaire, c'est-à-dire que les mitochondries sont dérangées dans leur rôle et la coordination entre le noyau cellulaire et les mitochondries est moins efficace. Moins de sélection, donc affaiblissement de ce système-là. On sait que les mutations négatives peuvent se propager rapidement et de manière irréversible dans les mitochondries des cellules vivantes. La plupart des ingénieurs qui sont près des ondes électromagnétiques se disent dans leur tête, si on se rend compte que c'est dangereux, on a juste à mettre la switch à off et tout va être correct. Il n'y a rien de plus faux. Ce qu'on sait biologiquement des incompatibilités mitonucléaires, c'est que quand le processus est enclenché, même si on essaie de retourner en arrière, les choses empirent plutôt que de se rétablir. Deuxième prédiction biologique, les mâles sont plus dépendants du fonctionnement des mitochondries et seront préférablement atteints dans l'espèce. Les systèmes de reproduction sont souvent des mécanismes de sélection pour le raffinement du métabolisme et seront affectés. On sait à l'heure actuelle que 40% de la population est atteinte dans sa fertilité à cause de facteurs qui sont extrêmement vagues. Donc, ça devrait donner un peu
de sujets de réflexion. Ça, c'est notre évolution. Notre évolution, en tant qu'espèce sophistiquée, dépend essentiellement du budget biologique. Et le budget biologique est déterminé par la disponibilité de l'ATP, qui, en fait, est déterminé par les mitochondries qu'on a recrutées il y a environ 2 milliards d'années pour nous servir. Les ondes électromagnétiques sont connues pour interférer directement avec ce que les mitochondries nous donnent de plus précieux. Donc, est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on s'avance? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière instantanée, mais ultimement, à mon avis, l'utilisation extensive dans l'environnement des ondes électromagnétiques va affecter l'espèce et possiblement de manière irréversible. Probablement que vous me dites, oh, c'est un professeur d'université, ces gens-là sont dans une tour d'ivoire. Ils ne savent pas ce dont ils parlent, mais je ne suis pas le seul qui dit ça. Concernant le mécanisme du métabolisme oxydatif, ce sont les cinq éléments dont je vous ai parlé, qui sont affectés parce qu'ils ont des courants électriques, protons et électrons. Ce qu'il nous dit, cet individu-là, c'est un biochimiste du département de génétique, d'évolution et de l'environnement, l'University College de London, le prix de la Société de biochimie en 2015. Il dit « Tamper with this reaction at your peril ». Perturber cette réaction à vos risques. Et les effets que vous ressentez dans la population, le cancer sur le cerveau, la leucémie chez les enfants, toutes ces choses-là, ce sont en fait des épiphénomènes qui indiquent que vous perturbez un phénomène qui est absolument fondamental. Donc, à mon avis, c'est un risque que je considère comme extrêmement dangereux. Et en fait, il y avait des alternatives techniques, parce que plutôt que d'utiliser du courant alternatif pour propager l'électricité à l'intérieur de la société, maintenant, on pourrait utiliser du courant continu et on pourrait filtrer tous les champs qui sont des perturbations électromagnétiques qui peuvent altérer le métabolisme des mitochondries. Pour ce qui est du sans-fil, ben, naturellement, on devrait réduire les niveaux le plus possible afin d'éviter le développement des électrosensibles. Et on devrait utiliser son fil uniquement quand c'est absolument nécessaire. Et de toute façon, la fibre optique est une technique qui est bien plus puissante que celle de la transmission du sans-fil. Donc, il y a des alternatives techniques. Et est-ce qu'on doit attendre que l'industrie soit prête à nous vendre les nouveaux produits pour agir? À mon avis, l'industrie devrait être plus sensible à la biologie. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à l'intérieur de la science, il y a souvent des barrières qui empêchent les spécialistes de se parler les uns les autres. Les gens en biochimie ont de la difficulté à parler aux biologistes parce qu'ils sont tellement isolés. Donc, imaginez ce que c'est entre les ingénieurs à l'électricité et les épidémiologistes. C'est une barrière encore bien plus puissante. Les champs électromagnétiques à de très bas niveaux agissent sur des charges électriques contenues dans les organismes vivants qui ne sont pas évidentes pour le premier venu, en particulier si on décide de ne pas voir cette évidence-là. Ces actions tendent à confondre l'action du métabolisme oxydatif des mitochondries. Les tissus ayant de fortes demandes en énergie voient leurs fonctions altérées. Les individus victimes d'autres intoxications sont spécialement à risque. Les effets de ces champs pourraient être irréversibles, non seulement pour les individus, mais également pour l'espèce humaine. Est-ce que je suis arrivé au bout de ma présentation, déjà? Il semble que oui. Merci beaucoup, beaucoup. Je m'excuse d'avoir encore les ondes. Voilà, voilà les ondes. Alors, je m'excuse, on avait encore un beau 5 minutes, mais si vous voulez, on va procéder à une belle période de questions. Ce que je vais aller vers la...
mettez-vous derrière moi et à tour de rôle, venez poser votre question. Vous comprenez que le temps est limité. Nous avons encore deux conférenciers. Alors, donc, une question par personne et on essaie d'être assez concis. Je pars tout de suite de l'autre côté. Oui, hop, ça s'en vient. Alors, on aura des questions pour vous. Ça ne sera pas long. Venez par ici, puis je vous cède le micro au fur et à mesure. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. J'aimerais ça savoir s'il existe une corrélation entre le niveau de danger et le niveau, justement, de puissance des ondes électromagnétiques. Dans les essais qu'on a faits à l'hôpital Raleigh-Victoria, ce qu'on a constaté, c'est que la dépendance est une perturbation d'un système biologique. Donc, une fois que le système est perturbé, le fait d'augmenter les ondes par un facteur de 10 ou de 100, ça ne change pas grand-chose. En d'autres termes, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un effet bas, très, très bas, et que malgré le fait qu'on augmente l'intensité des ondes électromagnétiques, la perturbation n'est pas nécessairement plus puissante. Et ça, je pense que c'est un facteur confondant qui a beaucoup, je dirais, généré beaucoup de confusion chez les chercheurs. Donc, c'est une question de... lorsqu'on a installé, en fait, le système d'énergie, lorsqu'on a installé le système de télécommunication, relativement rapidement, presque tout le monde a été exposé en même temps. Donc, du point de vue épidémiologique, c'est plus difficile de trouver des effets à ce moment-là. Donc, c'est plus une question de est-ce qu'on est... Ça va être à long terme et ça va être que est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous du seuil et combien de fois on fait la transition, etc. Merci. J'ai lu ailleurs que dans le passé, dans le temps où vous travaillez chez Hydro-Québec, bien il y a longtemps, que vous faisiez partie d'une équipe qui avait développé un équipement qui a permis des recherches et par la suite, cet équipement-là a été confisqué parce que le résultat ne plaisait pas. De quoi il s'agissait exactement et est-ce que cet appareil serait, même de nos jours, toujours utile s'il existait? Bon, vous faites référence à de l'information qui est seulement semi-publique. En réalité, lorsque l'étude épidémiologique a été faite à McGill reliant les champs électromagnétiques au cancer, le biostatisticien a trouvé qu'il y avait une relation très significative entre les champs très variables et le cancer, en particulier le cancer du poumon chez les individus qui travaillaient dans le souterrain. Donc, la réaction des épidémiologistes a été de dire « Est-ce que vous pourriez, Hydro-Québec, nous accorder une extension pour étudier ce phénomène-là? » Mais ça n'était pas dans les plans d'origine et l'extension a été refusée, ce qui a résulté en quelque sorte en un conflit politique entre l'entreprise et l'université. Mais vous savez, cette situation-là n'est pas unique, dans le sens que à l'intérieur de l'industrie, vous avez un grand nombre d'individus qui sont convaincus que les ondes électromagnétiques n'ont aucun effet. Donc, lorsqu'ils financent des études, ils s'attendent à avoir des résultats négatifs. Si les résultats sont positifs, ils ont tendance à perdre confiance dans les gens qu'ils ont engagés. Et ce qui est encore plus certain, c'est qu'ils vont leur couper les fonds. Donc, l'histoire est très évidente. Lorsqu'un laboratoire a des effets positifs, on leur coupe les fonds immédiatement. Donc, mettez-vous à la place des gestionnaires d'une entreprise. Est-ce que vous encourageriez des gens qui trouvent des idées qui minent la sécurité de votre produit? En fait, moi, je ne leur en veux même pas, parce que c'est une réaction normale. Mais il y a peut-être d'autres segments de la société qui devraient avoir une responsabilité plus vaste. Merci. Oui, bonjour. Je crois que vous commencez à répondre déjà d'avance à ma question. Je vous remercie pour vos recherches très poussées. Je voudrais savoir, est-ce que les champs électromagnétiques peuvent avoir une influence néfaste sur les médicaments qui sont en vente dans les pharmacies? Je vous donne pourquoi je me pose cette question. C'est que chaque fois que j'entre dans une grande pharmacie où on vend des piles, les piles pour les petits appareils
des piles, des batteries. On en vend souvent en grande quantité. Et chaque fois que j'entre dans une pharmacie, j'ai mal à la tête. Quand je sors de la pharmacie jusqu'à deux, trois coins de rue, un ou deux, trois coins de rue, je peux sentir le courant magnétique. C'est très désagréable. Et je me dis, bon, ben tout ce qui est vendu dans la pharmacie va être touché par ce courant magnétique. Alors, je me demande, ultimement, si ce courant magnétique peut avoir une mauvaise influence sur les médicaments qu'on va consommer ensuite. Une interférence entre les ondes électromagnétiques et des substances chimiques qui ne sont pas en solution, c'est quelque chose que je n'ai pas de moyens de connaissances pour évaluer. Ce que j'ai présenté, moi, aujourd'hui, c'est lorsque les médicaments sont à l'intérieur du corps, ils peuvent être biotransformés par des enzymes qui peuvent dépendre des ondes électromagnétiques. Mais pour ce qui est de substances sèches sur lesquelles on appliquerait des ondes électromagnétiques, ce serait un phénomène nouveau dont je n'ai pas entendu parler. Peut-être que dans ces pharmacies-là, il y a un environnement spécifique qui pourrait être évalué. Peut-être au niveau de la qualité de l'air et puis tout ça. Merci beaucoup, M. Héroux, d'être là aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir sur nous une protection de toutes ces ondes électromagnétiques? On est dehors, on est ici à Montréal, il y a des tours partout, les gens ont leurs cellulaires. On est bombardés, on ne peut pas se battre contre tout ça, mais est-ce que sur nous, on peut avoir une cage Faraday? Avec quoi? Vous pouvez avoir une cage de Faraday, mais par exemple, contre les champs magnétiques de basse fréquence, c'est assez difficile de vous blinder vis-à-vis de ces influences-là. Donc, il y a une partie des ondes électromagnétiques qu'on peut blinder facilement, et il y a certaines ondes électromagnétiques qu'on doit éliminer à la source. En fait, moi, je trouve que ce qui est particulièrement regrettable, c'est que l'individu n'a pas le choix de ne pas être exposé. Donc, une personne électrosensible est authentiquement une victime profonde de la technologie actuelle. Et à mon avis, on devrait prendre soin de ces gens-là de manière urgente. Merci. Bonjour. Là, je vais essayer de résumer ma question, mais pur hasard, l'introduction vient d'être faite par la dame qui était avant moi. Pouvons-nous profiter d'une protection? Par analogie, on prend le système solaire, l'emplacement de tout l'ensemble de la matière, c'est ordonné par rapport à la force de gravitation et les forces électromagnétiques qui sont affirmées. Par la suite, la vie s'est développée sur la Terre en opposition, si on veut, à la force de gravité, contrairement quand on va dans l'espace, on perd des minéraux, etc. Il y a des conséquences, si on veut, très biologiques à la non-présence sur la Terre de nous-mêmes. Et par la suite, le champ électromagnétique, lui, si je prends comme acquis dans l'autre présentation que le corps ou n'importe quel corps émet un champ électromagnétique, est-ce que vous me dites que c'est vrai que le corps humain émet un champ électromagnétique? Oui, il émet des ondes électromagnétiques, comme par exemple la contraction cardiaque émet des champs magnétiques qui sont environ 100 fois plus petits que ceux de l'environnement. Oui, absolument. Mais par contre, par la même analogie, étant donné que la vie au niveau de la force, notre biologique a été développée en contrepartie par la gravité, cette force-là déterminait finalement comment nous avons pu évoluer en tant qu'espèce vivante depuis des milliards d'années. Oui. Alors, j'arrive avec le fait que pour se protéger, est-ce que nous avons une possibilité d'augmenter notre charge électromagnétique qui, finalement, garantirait localement une espèce de protection par rapport aux champs gravitationnels ou d'autres champs gravitationnels qui pourraient affecter notre personne, notre organisme lorsqu'il se développe? Et s'il y avait cet aspect-là, comment serait-il développé? Et c'est là qu'est finalement, j'ai fait une observation personnelle sur la nécessité du champ nuptial pour beaucoup d'espèces pour reproduire l'espèce. On sait que le champ nuptial est provoqué lorsque l'organisme est pleinement développé et que la détermination de l'individu
provoque, si on veut, par effet de volonté, l'effet d'émettre une onde. Une onde, c'est physique. Alors, en augmentant l'onde, c'est aussi tout l'ensemble de la contraction statique et le champ électrostatique du corps qui en est engagé dans l'action. Et ce qui fait que l'organisme mature à plein développement pourrait-il bénéficier finalement d'une réaction parfaitement antagonique et symétrique aux axes des os, d'une contraction statique qui ferait qu'il y aurait une autodétermination locale de l'orientation finalement du développement de tout ce que vous avez appelé des mitochondries, et qui aurait une orientation due au même fait que la Terre a un pôle et que nos boussoles nous indiquent le pôle magnétique. Alors, toute la structuration et la production des ATP dépendrait finalement si elle est capable de s'orienter en fonction de l'axe et de l'émission de notre propre champ électrostatique. Merci beaucoup pour C'est un peu embêtant lorsque vous mêlez ensemble la gravité et les ondes électromagnétiques, mais ce qui est intéressant... Oui, mais vous savez qu'une des nouvelles conclusions de la NASA, c'est que les voyages vers d'autres planètes, même du système solaire, pourraient être sévèrement hypothéqués par le fait qu'il n'y a pas de gravité et que les systèmes biologiques, en fait, sont sensibles à l'absence de gravité. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on extrait un organisme de son environnement naturel auquel il est adapté, ou bien on accepte des modifications à cet organisme-là, ou bien on accepte des sévices, des maladies, des choses de genre-là. Donc, à mon avis, il n'était pas prudent d'utiliser les ondes électromagnétiques de manière à profusion alors qu'on n'avait pas évolué dans ce milieu-là. Donc, on sait que les applications médicales des ondes électromagnétiques qui sont, je dirais, à développer, qui sont quand même au stade relativement primitif, mais c'est clair que des ondes électromagnétiques peuvent être utilisées de manière positive. Et la gravité, probablement également. Je suis obligée d'abréger un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup de monde en arrière. Je m'excuse, je suis vraiment désolée, monsieur. De toute façon, après... Je présume qu'il y aura peut-être une petite disponibilité d'une minute si les gens veulent. Monsieur. OK. My question is about the impacts of the nanoparticles in the things that you presented here. The e-parts. Impacts. Impact. Yeah. Of nanoparticles. Yeah. Yes. Did I talk about nanoparticles? So I don't think I talked about nanoparticles. My question is if nanoparticles have impact on the things that you present here. Well, what nanoparticles are you talking about? Are you talking about fragments of graphene? Are you talking about... there's all sorts of nanoparticles. They're just... What you're referring to is just small, very small objects. So what object are you referring to? I think that has the direct relation with you present here. There is no things in nano-length that you present here. I talked about the tunneling of charges, you know, in the nanometer range. But of course, those are small distances. They're not specifically small particles. They are small distances. And yes, there is lots of science to be developed in relation to very small objects and very small particles. Alors, ce serait l'objet d'une autre conférence, évidemment, et nous aurons demain encore de belles conférences. Ma question est un peu plus pratique sur les transformateurs d'Hydro-Québec. Oui. À Montréal, dans nos rues, on a 2-3 vieux transformateurs qui, le long des lignes électriques. Il y en a certains qui sont à 15-20 pieds de notre chambre à coucher. On a fait mesurer justement les champs de basse fréquence qu'il y avait et c'était quand même assez impressionnant. C'est sûr que ça va avec la distance, ça se réduit beaucoup avec la distance, mais on reste quand même un peu inquiet parce qu'il y avait quand même autour de 300-400 dans notre chambre à coucher. 300-400 milligaz dans le Tesla? Oui, c'est ça. Milligaz. Donc, on s'inquiétait un peu sur les transformateurs d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, effectivement, les transformateurs sont des sources qui réduisent avec la distance de manière assez précipitée. C'est 1 sur la distance au cube. Donc, normalement, ces équipements-là n'ont pas des actions sur des distances extrêmement grandes. Mais lorsqu'il y a un transformateur qui est près de notre demeure, naturellement, les fils, les conducteurs qui mènent à ce transformateur-là sont des sources linéaires qui ont en fait une décroissance 1 sur la distance. Donc, c'est tout à fait explicable que les champs magnétiques soient effectivement élevés. Ceci étant dit, à mon avis, ce qui est plus important, c'est le nombre de fois qu'on entre et qu'on sort dans le champ, ce qui est influencé par l'intensité du champ, alors que dans nos essais, nous, sur les cellules cancéreuses humaines, on n'avait pas vu d'effet substantiel de l'intensité du champ au-delà d'un seuil d'environ 50 nanotesla, ce qui fait 0,05 microtesla. Donc, dans ma vision à moi, l'effet est surtout qu'on est pratiquement toujours sous l'influence de ces ondes électromagnétiques-là, et de temps en temps, il n'y en a pas. Et subitement, il n'y en a pas. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour ce qui est de la gestion biologique du phénomène. Merci. Alors, il me reste moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Trauma crânien, parfois les idées glissent dans ma tête. Merci pour cette belle présentation. J'ai souvent, pour poser des questions pertinentes, il faut déjà savoir, connaître. Je me demande si cette conférence va être disponible, si on va pouvoir la relire. Je ne peux rien refuser à André Fauteux. Merci. Merci, M. Héroux, pour ce travail extraordinaire. Je vais demander plusieurs choses. Je vais essayer de m'en souvenir. Par exemple, si on doit penser de la même façon aux différentes catégories de champs et d'émissions. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un champ et une émission? Si à la fois les champs électriques, les champs magnétiques et le rayonnement non ionisant produisent les effets que vous avez montrés ici. Qu'est-ce que je me demandais? C'est juste une longue question, n'est-ce pas? Ça, c'en est... OK, juste assez. En fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de points d'action des ondes électromagnétiques. Et... l'industrie a voulu, je dirais, faire la promotion de l'idée que les effets doivent être simples et doivent être semblables à ceux des radiations ionisantes ou des radiations nucléaires pour qu'elles soient reconnues. Et c'était pas sans raison, c'est qu'on vivait dans l'ère post-atomique, post-Hiroshima, et ces idées-là de radiation ionisante avaient eu un grand impact, non seulement sur Hiroshima, mais sur la science au complet. Donc, ces idées-là étaient, je dirais, très, très, très propagées et très récentes et très fraîches. Donc, ils ont été victimes, je pense, de cette manière de penser-là. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de points d'action des ondes électromagnétiques. Ça peut dépendre de manière significative de l'intensité suivant qu'on est dans le complexe 1 ou dans le complexe 5. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la complexité des effets qu'on a à décrire. OK. Deux dernières questions assez brèves parce que j'aurais pu assez de temps. Je vais être bref, aussi bref que je peux. Je suis une personne qui aime beaucoup les concrets et je pense que beaucoup de gens ont besoin de ça. La question, mais soyez patient s'il vous plaît, c'est que tout émet une onde électromagnétique. Tout ce qui est matière a des atomes, a des électrons, alors tout émet un champ électrique qui émet un champ magnétique. L'électricité génère le magnétisme et vice-versa, on sait tout ça. Alors, on est dans un océan d'ondes électromagnétiques. Mon question, c'est, est-ce qu'il y a des appareils que vous pouvez nous guider pour trouver, pour nous dire de façon concrète, ici et maintenant, dans mon champ magnétique, dans mon cellulaire, qui peut me dire exactement les effets visuels, tactiles, concrets, de qu'est-ce que le champ de nos cellulaires, les routeurs font sur nos champs électromagnétiques à nous. Parce que tout notre corps émet un champ électromagnétique, toute matière émet un champ électromagnétique. Comment est-ce qu'on peut voir de façon concrète? Est-ce qu'il y a des appareils qu'on peut trouver abordables, qu'on peut utiliser pour ne pas être dans le blanc, pas être aveugle, et pas être dans la spéculation, mais dans le concret? Oui. En réalité, il y a beaucoup d'appareils qui mesurent les ondes électromagnétiques. Le corps lui-même a des ondes électromagnétiques et présumément, ces ondes-là, le corps est habitué parce qu'en fait, on a évolué à l'intérieur de ces champs-là. Donc, par exemple, lorsque votre cœur se contracte,
il y a un courant électrique qui circule à l'intérieur du cœur. Et on peut mesurer ce champ magnétique-là, qui, comme je l'ai mentionné, est 100 fois plus petit que ceux de l'environnement. Mais pour mesurer le champ magnétique de la contraction cardiaque, ça demande un appareil qu'on appelle un SQUID, qui est extrêmement dispendieux, parce que ce sont des champs qui sont vraiment tout petits. Mais il y a beaucoup d'appareils qui mesurent beaucoup de choses. Plus on paye, plus les appareils sont précis et sont fiables. Mais la complexité de l'environnement électromagnétique est très, très grande. En d'autres termes, les ondes électromagnétiques, fondamentalement, c'est compliqué à mesurer. Donc, ce n'est pas par hasard que l'industrie utilise plus ou moins sa compétence pour essayer de discréditer d'autres personnes. Ils ont accès à des instruments encore plus chers, mais ils profitent de cette circonstance-là pour donner l'impression qu'ils ont l'exclusivité du savoir. Je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Je m'excuse, je suis désolée. Notre prochain conférencier va être un spécialiste de détection de ce genre de choses-là. Alors, je procède vraiment à la dernière question. Parce que je vais être très rapide. Si j'ai bien compris, vous avez dit que plus le champ électromagnétique varie, plus il y a un impact sur le vivant. On a entendu les médias faire état de trucs autour des compteurs intelligents. Est-ce que ça a vraiment un gros impact, ces compteurs-là? Bien, je pense que, par coïncidence, apparemment, à la suite de l'installation de ces compteurs-là, on note une recrudescence des rapports de personnes électrosensibles. Donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que n'importe quoi de neuf peut avoir un impact sur les gens et faire qu'ils s'imaginent des choses, mais je crois que dans le cas des compteurs intelligents, ce n'est pas le cas. Hydro-Québec a choisi d'utiliser une technique qui expose obligatoirement un grand nombre d'individus à des radiations auxquelles, auparavant, ils pouvaient se soustraire s'ils ne voulaient pas en être victimes ou exposés. Donc, c'est un choix, je pense, philosophique assez significatif. Et quand je regarde sur l'Internet, les gens sont autant inquiétés par le fait que leur compte d'électricité a monté que par le fait qu'il y a des gens électrosensibles. Mais le fait que le compte d'électricité monte, c'est très, très simple, c'est que l'Hydro-Québec a profité de ces compteurs-là pour facturer ce qu'on appelle la puissance réactive, ce qui autrefois n'était pas facturé du tout. Mais ils savent que 99% des gens ne savent pas ce que c'est la puissance réactive. Donc, ils ont pu faire ça de manière ouverte et sans réellement de conséquences substantielles. Avoir d'impact, c'est ça. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a, Dr. Héroux. Mille fois, merci beaucoup. Merci.